Ici Richard Perrault, maire de la ville de Blainville. Bienvenue à la toute nouvelle bibliothèque Paul Mercier. Ce bâtiment ultramoderne et écologique a été nommé ainsi pour honorer la mémoire de Paul Mercier, maire de Blainville, de 1977 à 1993. Monsieur Mercier, homme de lettres et de culture, est responsable de la première phase de développement de la ville et c'est son équipe qui a fait construire la première bibliothèque en 1983. Mon prédécesseur à la mairie, François Quentin, a pris le relais en initiant ce projet de nouvelle bibliothèque qui est le fruit d'une longue réflexion et d'une analyse approfondie des besoins de la population. La bibliothèque Paul Mercier vous plaira par son architecture, sa collection de près de 200 000 documents, ses nombreuses commodités informatiques et ses divers aménagements. Découvrez ce joyau dédié au savoir et à la culture, ouvert 7 jours sur 7. La bibliothèque Paul Mercier est maintenant votre bibliothèque. Je vous invite à vous l'approprier et d'en faire votre lieu de rencontre, d'apprentissage et de détente. Bonne visite et au plaisir de vous y rencontrer. Ravi d'être parmi vous cet après-midi pour l'inauguration de cette magnifique bibliothèque. Ça fait quand même plusieurs années qu'on y travaille, pas seulement avec les architectes, mais tous ceux qui sont à l'origine de ce projet, donc les gens qui sont impliqués à la ville de Blainville. Et puis je vous souhaite une excellente visite. Est une lumière qui chasse la nuit et les ténèbres. Les hommes instruits ont le pouvoir de distinguer le bien du mal et savoir que là où rampe la raison, la sagesse est en prison. Prêt? On est prêt. On y va. Et voilà! C'est une bibliothèque aérée avec une présence partout dans la bibliothèque de bois qui vient du Québec. C'est multigénérationnel, c'est hyper technologique, c'est hyper branché. C'est un lieu de socialisation pour toute la famille avec une richesse de livres, mais aussi une âme ouverte sur l'extérieur. C'est une des plus belles bibliothèques que j'ai eu l'occasion de visiter.